Salut les petits amis, bienvenue dans le cours d'histoire du professeur Marcus. Entrez, entrez. Non, ne partez pas en courant, c'est parce que j'ai dit cours d'histoire que ça va être chiant. Au contraire, vous allez voir que vous allez apprendre des trucs, mais vous allez peut-être aussi être ému grâce à un nouveau jeu de Ubisoft qui s'appelle Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Vous savez que chez Ubisoft, ils aiment bien bosser avec des historiens. Ils l'ont fait beaucoup sur Assassin's Creed et on apprend plein de trucs dans les Assassin's Creed sur des vrais faits historiques. Là, ils ont décidé de retracer la Première Guerre mondiale, mais vu à travers les yeux de gens qui l'ont vécu, et ça rend le jeu extrêmement émouvant, pas que instructif. Alors regardez, je vais commencer tout de suite, c'est une sorte de point and click, un peu à l'ancienne, où on va incarner plusieurs personnages, jusqu'à 5 personnages, et en fonction de leurs capacités, bah faut jongler avec les uns les autres. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Regardez, écoutez surtout cette magnifique voix de Marc Casso, qui raconte un peu l'histoire. J'ai parlé pendant qu'il parle. Alors nous voilà à Ypres en 1915, je crois. Le 22 avril 1915, l'armée allemande employa pour la première fois les gaz de combat, stoppant net l'avancée des alliés. T'as vu cette belle voix émouvante, un peu éraillée et tout. Je pense pas qu'il ait fait la guerre de 14, il est beaucoup trop jeune, mais cet acteur. Mais en tout cas, ça marche à fond. Alors voilà, je ne peux pas franchir ces gaz, sinon je risque de mourir, mais j'ai un petit chien avec moi auquel je peux donner des ordres. Donc je vais lui demander d'aller ramper sous le gaz, je vais m'enculer un petit peu, pour qu'il aille pousser ce levier et qu'il arrête un peu l'arrivée des gaz. Cette espèce de saloperie de gaz moutarde donc, qui a été utilisée pour la première fois en 1915. Donc on apprend plein de trucs. Il y a d'ailleurs, vous voyez, des petits fichiers historiques qui vous expliquent un petit peu comment c'est passé. Première attaque de gaz le 22 avril 1915. Ça a été fait en collaboration avec le documentaire Apocalypse, qui est assez génial. Ils l'avaient déjà fait, Apocalypse, sur la Seconde Guerre mondiale. Là, ils ont fait la Première Guerre mondiale. Et vraiment, ils savent y faire, quoi. C'est vrai que c'est très, très émouvant. Vous avez vu qu'on voyait des photos, en plus, des vrais gens qu'on subit cette guerre, j'ai envie de dire, plutôt que la faire. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que moi je trouve très très émouvant et en même temps il y a des petites mécaniques de jeu d'aventure. Là par exemple je vais devoir creuser. Alors je joue Émile, vous voyez c'est ce brave garçon qui est cuisinier et qui creuse avec sa louche. Je ne voudrais pas aller bouffer chez lui après pour se frayer un chemin. Voilà. Alors je peux bouger des leviers, ça me permet par exemple d'aller chercher cette caisse. Alors monter. Donc des petits principes de levier, ça rappelle un peu le jeu The Cave que j'ai beaucoup aimé de Ron Gilbert, mais évidemment en beaucoup moins drôle. C'est-à-dire que l'idée c'est que c'est de faire un truc vraiment vraiment émouvant qui retrace vraiment des événements assez dramatiques. Alors je vais remonter cette petite caisse et on va demander au chien de grimper dessus. Ça on pourra le descendre au sous-sol. Donc vous voyez les systèmes de levier, des petits moments où il faut utiliser. Attendez, il faut que je laisse le chien. Non, on peut le laisser là. Ouais, vaut mieux qu'il vienne à ma place en fait. Ce serait mieux. Donc il faut que je remonte là. Excusez-moi, je me mélange dans les leviers, ça commence bien. Voilà, descends là. Bien au pied. Voilà, moi je vais y aller sur cette caisse. Non, viens avec moi. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ah, excusez-moi, je me mélange. Voilà, c'est le chien qui va pousser le levier pour me faire descendre. Voilà, très bien. Et moi, pendant ce temps-là, je peux aller à côté, essayer de mettre un terme à cette espèce de machine infernale. Donc pour ça, vous voyez, il y a tout encore une panoplie de leviers, de rouages, et au fond, il y a cette espèce de wagonnet. Je vais tirer pour le ramener au tout début, pour empiler, en fait, les caisses. Pas une contrepétrie, je ne me permettrai pas. voilà, donc des petites mécaniques de jeu d'aventure, toutes simples, hein, assez basiques, beaucoup d'infiltration, souvent, et tout ça pour un jeu qui... Alors, j'ai demandé au chien de remonter un peu la première caisse. Voilà. Tout ça pour un truc vraiment qui retrace toute la Première Guerre mondiale, de manière assez subtile, puisque ça croise le destin, c'est pas du tout manichéen. On voit des Français, des Allemands, tout le monde vit ça plutôt mal, évidemment. Sachant que là, je fais Émile, c'est le père de Marie, et Marie était fiancée à un jeune Allemand. Avant la guerre, évidemment, elle était chassée de France, c'est devenu un ennemi. Et donc, tout ça, c'est une petite famille qui va essayer de se réunir, malgré la guerre, en espérant, chacun de son côté, que tout le monde survive. Le fiancé de Marie, même s'il est Allemand, bah, de faire en sorte qu'ils survivent et on va l'y aider. Donc regardez, j'ai empilé ces deux caisses, ça permet de remettre les tuyaux droits et là je vais pouvoir
tourner ce petit rouage, un peu pipe mania là, pour essayer d'amener le maximum de pression dans la... Ah, je vais y arriver, voilà, pour que ça surchauffe, histoire que ça explose. Et maintenant, je fasse un peu la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être envoyer le chien tourner ce petit bloc. Voilà. Et moi, il ne me reste plus qu'à tourner la dernière valve, faire péter. Faut que je tourne encore un petit coup. Non, c'est encore pas assez, pardon. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, bah maintenant, allez. Non, pas du tout. Oh là 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 là. Elle était très bien, ma valve du début, en fait. Allez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je vous parle et du coup, je regarde pas ce que je fais. Évidemment, je fais des bêtises, du coup. Alors, allons-y. Ça marche pas non plus. Je vais pas passer une heure et demie sur un bête problème de robinet. Je vous ai promis qu'on ferait pas un cours d'histoire. On va faire un cours de maths. Voilà. Maintenant, le chien. J'ai un petit doute sur ces trucs. Eh ben alors, pourquoi ça pète pas? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça peut marcher, ça, non? Attendez, allez, je me concentre 2 secondes. Faut toujours que ça... Voilà, des trucs qui marchent du premier coup. D'habitude, là, évidemment, c'est une vraie galère. Ah bah là, si j'envoie, s'il tourne, c'est bon, là. Non, c'est l'autre. Allez. Je peux y arriver, hein. J'ai confiance en moi. Marcus. Oui, Alex. Vas-y, avec le professeur, encore un tour. Encore 2 quarts de tour. 1, 2. Et maintenant le chien. Et maintenant le chien, d'accord. Faire confiance à Alex. Moi, mon cerveau est embouillé, je vous avouerai. Ouais, mais du coup, je regardais en même temps. Et j'ai dû prendre encore le chien. Encore une fois le chien. Ah ouais, t'as raison. Il a raison, Alex. Heureusement qu'il est là pour me sauver la vie. Oh là là. Désolé, les amis. Quand on est concentré sur ce qu'on fait, ça marche quasiment du premier coup, évidemment. C'est ça, chez Marcus. Ça commence. La vieille excuse de je jouais mieux quand vous n'étiez pas là. Maintenant que je Twitch un peu, comme ça, vous pouvez voir. Je prépare les chez Marcus, vous pouvez me voir sur Twitch. Vous pouvez voir que ça se passe bien, en fait. Sauf que je vous parle aussi, évidemment, parce qu'il y a des gens qui me laissent des messages sur Twitch. Et du coup, presque aussi troublé que dans un vrai chez Marcus. Enfin bon, bref. Allez, arrêtons de chercher des excuses. Essayons de sauver un maximum de gens. J'ai été rejoint par Freddy, qui est un autre personnage du jeu, qui est un Américain. Voilà, et là, on va se faire un petit peu bombarder. Donc évidemment, il ne faut pas rester là où les ombres arrivent sur le sol. Pas très bon pour nous. Donc avec sa louche, le petit Émile va vite creuser un tunnel. Vraiment, c'est pas un cuisinier très propre. S'il y avait un contrôle des services d'hygiène, je ne pense pas que ça marche vraiment à la perfection pour lui. Alors... qu'est-ce qu'on a au fond de ce truc? On a Freddy qui... vous voyez que j'aime bien cette petite mise en scène un peu BD. On voit une autre vignette où on voit ce que fait Freddy. Un peu fouiné. Fouiné pour voir. Voilà, j'ai demandé au chien, par exemple, de creuser. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Non, ok. Ok, bah rien ne marche aujourd'hui, je suis désolé. D'habitude, le chien, avec son flair, déniche des trucs qui sont pas utiles. C'est des petits bonus qui vous permettent d'en apprendre encore un petit peu plus. Voilà, pourquoi ça n'a pas marché. Alors, le chien, tu vas monter là-dedans. Moi, je vais actionner ce levier. Voilà, et je vais envoyer le chien chercher le petit nonos. Je vais aussi envoyer dérouler cette échelle, comme ça je pourrais grimper. Voilà, super. Je récupère l'os. Bon chien, c'est bien ça. Et l'os va me servir de levier pour actionner ce petit mécanisme, et comme ça, on récupère Freddy. Freddy, lui, il a une tenaille, puisque c'est l'armée américaine, donc ils sont mieux équipés que l'armée française, qui lui permet, par exemple, voilà, de couper les barbelés. Donc, un petit côté un peu Lost Viking. Je sais pas si vous souvenez de ce jeu, on avait 3 vikings, un costaud, hein, avec un bouclier, hein, qui allait très vite. Il fallait un peu alterner entre les différents personnages pour réussir à s'en sortir.
Là, c'est un petit peu ça. On peut switcher d'un personnage à l'autre. On a parlé avec le chien. Là, Emile joue beaucoup avec le chien dans ce que je vais faire aujourd'hui. On a pas mal utilisé le chien, mais il y a possibilité d'utiliser aussi d'autres personnages. Et puis, il y a d'autres séquences comme celle qu'on va voir. Petite séquence en voiture avec un taxi. On peut assister par exemple au fameux épisode des taxis de la Marne. Son sauveur s'appelait Anna. J'adore cette voix. Étudiante belge venue passer son doctorat à Paris, Anna était sur les traces de son père disparu. Le destin semblait... Alors par exemple, à un moment où vous allez jouer Anna sur les champs de bataille, vous êtes infirmière, il va falloir soigner les gens. On fait une sorte de jeu de rythme où on appuie un rythme sur les boutons pour faire des bandages et tout, y compris les amputations à la scie. C'est assez curieux comme choix, mais c'est assez original et ça marche plutôt bien. Alors écoutez, tout se fait en musique. On va repiquer un peu ça sur Rayman. Donc je dirige la voiture et je vais essayer d'éviter les bombardements en rythme. C'est mignon ça. Je laisse la musique, je la trouve trop bien. J'adore cette petite animation là, sur tous les câbles en voiture. C'est pas trop compliqué, mais si on n'est pas trop attentif, comme ça m'arrive souvent de l'être, ça peut mal finir. Les mines maintenant. Bon, ça va, je reste tout droit. Donc il y a une direction artistique assez géniale, parfois un peu curieuse. C'est vrai que c'est assez rigolo quand même de faire ça en rythme, alors que le reste du jeu rigole pas tellement. Même pas à l'abri de chialer à la fin, c'est arrivé à certains que je connais. Je ne citerai pas Aurélien, mais il a versé sa petite larme quand il a joué à ce jeu. Et c'est vrai que si c'était pas loin, c'est vraiment des jeux qui vous prennent un petit peu au trip, qui sont très humains. On suit vraiment l'aventure de ces personnages et on s'y attache. Évidemment, on n'a pas envie qu'il leur arrive des misères. Mais bon, c'est la guerre, des misères, il en arrive à tout le monde. Oh, pauvre Freddy! Alors là, on vient de faire une petite séquence en taxi. Il y a d'autres séquences en taxi, notamment, je vous disais, les taxis de la Marne. C'est un épisode assez célèbre de la guerre de 14. Mais là, il est traité vraiment, c'est comme un documentaire, en fait. Dans les petits bonus, on vous apprend qu'en fait, les taxis de la Marne, donc ça consistait à réquisitionner tous les taxis de Paris pour acheminer les troupes sur la Marne, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Ça fait tout un buzz médiatique à l'époque, dans les journaux, on en a beaucoup parlé, mais finalement ça n'a servi à acheminer que 2 ou 3% des troupes, donc ça a servi pas à grand chose en fait, et en plus les mecs étaient plutôt à l'arrière, donc ça n'a pas été très très utile. Mais ça, c'est ce genre de choses qu'on apprend dans ce documentaire justement, où on se rend compte la réalité des choses, y compris de la réalité quotidienne. Alors là, j'ai demandé au chien d'aller me chercher une grenade. Je vais me la mettre sur le pied, voilà, c'est une très bonne idée. Je crois que je suis bon pour aller en chercher une autre. Voilà, donc hop, petit ordre au chien qui va me ramener une grenade. Ouais, je disais, on apprend vraiment la réalité quotidienne des combattants, notamment dans les tranchées, où on vous explique une paire de chaussettes sèches, c'est quelque chose de très précieux, même si c'est pas facile à prononcer, que beaucoup mouraient de froid, de faim. Pas forcément des combats, qu'ils avaient des poux, enfin c'était vraiment l'enfer dans les tranchées. Alors, avant de traverser, je vais attendre que ce monsieur à casque à pointe ait fini sa petite ronde, voilà. Parce que sinon, je vais me faire mitrailler et je serai bon pour recommencer. Voilà. Vous voyez, l'ambiance est quand même assez glauque, hein. C'est vraiment glacial. Il y a des morts, il y a des champs de bataille... On voit les gens en train d'agoniser, enfin, c'est vraiment pas facile. Et puis en même temps, il y a des petits trucs rigolos, comme par exemple, regardez, c'était... Écoutez bien. Écoutez bien cette patrouille quand elle passe.
On dirait des mecs de heavy metal, quoi. Oi, 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 oi. C'est carrément un groupe de heavy metal qui se déplace. Moi, vous voyez que je reste planqué, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'infiltration dans ce jeu. On ne combat quasiment pas. Il y a vraiment, voilà, par 2-3 grenades, 2-3 coups de louche sur la tête des gars de temps en temps. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Là, j'envoie le chien derrière, de l'autre côté. Et on va remonter le champ de bataille pour essayer de trouver un petit outil pour cisailler les barbelés. Attention, on voit là le heavy metal. Ils auraient eu leur place dans Brutal Legend, hein, les gars. Il n'y a pas de souci. Avec la façon dont ils parlent. Donc là, regardez, il y a une petite pince. Hop, le chien va me la récupérer. Et il va me la ramener. Voilà, on va revenir tous les deux. Alors donc j'aime bien cette mise en scène, déjà les graphismes, je les trouve absolument magnifiques. Et puis cette petite mise en scène un peu BD, je la trouve vraiment excellente, avec des vignettes qui s'animent. C'est une BD interactive, c'est un cours d'histoire, c'est vraiment plein de choses. Mais un cours d'histoire dans le bon sens, on ne vous apprend pas les dates, on vous apprend vraiment la vie quotidienne des gens. Moi c'est ce que j'aime dans l'histoire, c'est ce que j'aime dans les romans historiques, j'en lis pas mal et j'aime bien. Et vraiment c'est des choses très très émouvantes. France Inter avait organisé un truc, ils avaient demandé aux gens de leur envoyer les lettres des poilus dans les tranchées. Voilà, donc c'était des lettres de famille. Ils avaient regroupé tout ça. Ça a été édité sous la forme d'un livre. Et c'est extrêmement émouvant. On voit vraiment la vie dans les tranchées. Le début de la guerre 14 où ils partent tous la fleur au fusil en se disant que ça va durer 2 mois, ça va être plié, etc. Et puis finalement, ils se font absolument massacrer. C'est terrible. C'est la première guerre où il y a des armes vraiment, autre chose que des arcs et des flèches. Il y a des mitrailleuses, il y a des mines, il y a vraiment des tas de saloperies qui ont été inventées à cette occasion-là. C'est l'occasion de voir comment ça a été vécu sur place. J'attends qu'il ait fini sa ronde, vous voyez, je me planque à chaque fois. Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il n'occulte pas tout ça, au contraire. On voit vraiment la vie quotidienne des gens. Encore une fois, c'est émouvant. Donc j'envoie le chien faire une petite diversion, et bim, un coup de louche. Vous voyez, c'est des combats dans le jeu, c'est pas Mortal Kombat. Par contre, le combat est mortel pour plein de combattants. Voilà. En fait, j'ai juste bougé pour... Je m'occupe pas de lui pour faire la place au chien qui va aller faire les courses pour moi. J'ai repéré qu'il y avait un bâton de dynamite dans ce petit abri. Bon, là je le sais, mais évidemment, c'est des choses qu'il faut découvrir au fil du jeu. Allez, hop, bâton de dynamite. Je vais fouiller un petit peu par ici aussi. Pour faire voir les petits objets qu'on trouve planqués un peu partout, qui sont des objets de la vie quotidienne souvent. Par exemple, les chaussettes. Vous avez trouvé une paire de chaussettes. Voilà, j'ai trouvé. Un petit truc de dynamite, c'est plus efficace que de la chaussette. Ça dépend de l'odeur de la chaussette et depuis quand elle est portée, vous me direz. Donc je vais le poser par ici. Je vais prendre la dynamite. Et je vais aller la poser en face. Il va falloir 2 bâtons de dynamite pour faire péter tout ça. Il me met la pression, cet Allemand. Voilà. En même temps, ils voient pas grand chose, ils ont tous leur casque sur les yeux, donc je sais pas trop comment ils font pour faire des patrouilles. Allez, vite, ouais, c'est un peu tard, j'espère pas me faire mitrailler. Ouf, c'est juste. Et il y avait un autre bâton de dynamite ici, je vais pouvoir ramener là-bas. Allez, arrête ton tour de garde, fais-moi plaisir. J'avais décidé de rester un peu plus longtemps, l'ami Fritz. Voilà. Ça y est, je suis presque pour tout faire péter. Comme l'attaque de l'étoile noire, mais de façon un peu steampunk, on va dire. Je vois la bouche d'entrée. Donc regardez, je pousse vers le bas. Péter le truc. La manette a vibré, donc il y a des petites sensations qui sont assez sympas. Voilà, là, il y a tellement de fumée qu'ils peuvent plus me voir, donc je vais en profiter. Et je vais passer. Vous avez vu cette espèce de... d'avant-plan, d'arrière-plan aussi, ça aussi, c'est un truc assez agréable. Une façon de présenter un jeu qui est en 2D, mais qui a quand même un peu de profondeur. Là, je vais me planquer derrière ce petit chariot pour essayer d'avancer. Parce que sinon, je vais me faire mitrailler. Hop. Vous remarquerez qu'il ne tire jamais sur les chiens. Normalement, à l'époque, a quand même une certaine... honnêteté, j'ai envie de dire. Ouf, voilà.
Il y a beaucoup de musique d'époque aussi, ça aussi, je n'ai pas parlé de la musique encore, mais alors déjà la musique du jeu est très émouvante, vraiment on a envie de verser sa petite larme à chaque fois qu'on l'entend, mais en plus, c'est des vraies musiques d'époque pour la plupart, donc c'est assez marrant de les entendre. Je vais faire monter le chien dans le petit panier, et il faudrait que je récupère un levier, mais qui n'est pas là, donc... si je peux pas le trouver par ici. C'est des tonneaux, donc c'est vraiment classique, hein. On bouge des caisses, on pousse des tonneaux. C'est des petites énigmes simples, mais comment dire, puisque le scénario vous prend en trip, il n'y a pas besoin d'un truc très compliqué en fait. On vit avec eux, on s'accroche à eux, je trouve ça vraiment super intéressant. Là j'ai récupéré une petite bouteille qui va me permettre de faire diversion. Ouais, mais c'est un peu trop dangereux pour le moment. Est-ce que tu es dans cette partie du labyrinthe? Oui, pardon, j'en viens. De l'autre côté, il n'y a vraiment rien. Je crois qu'il y a une deuxième bouche d'égout, une deuxième bouche d'entrée. Non, c'est pas par là. Désolé, je suis vraiment... Je me perds aujourd'hui. Voilà, là ma deuxième entraînement. Ouais. J'ai mis voix de goutte dans cette grotte, je vous l'avouerai. Ah voilà. Tu veux pas rentrer tout simplement ? Non ? Même pas ? En fait, j'ai l'impression de revivre les mêmes trucs en boucle à chaque fois que je fais un chez Marcus. Toujours les mêmes ennuis. Il y a une deuxième grotte. Et je ne sais pas où elle est. Et je ne la vois pas. Alex, est-ce que tu peux m'éteindre vite fait le... Bien sûr. Voilà, merci Alex. Oh là là. Il m'a vu ? Non, il m'a pas vu. Bon, je vais essayer de l'attirer vers moi. Vers moi. En fait, je fais pas les trucs dans l'ordre, c'est juste ça, c'est moi. J'ai pas le jeu. Voilà. Voilà l'entrée de ma deuxième grotte que je cherchais depuis tout à l'heure. Et là, je vais enfin trouver un levier qui va me permettre de faire venir notre ami le petit chien. Très bien. Allez. Désolé, les petits amis. Hein. Pourtant, j'ai joué à ça cet été. Mais j'avoue que c'est un peu loin, du coup. Et les énigmes sont un petit peu sorties de ma tête. Voilà. Brave toutou. Alors, je vais lui demander d'aller faire diversion. Ce brave allemand, on se doute de rien. Un truc bizarre, regardez, je peux pas l'assommer parce que je suis pas sur le bon plan. Voilà, je passe le tour. Alors, de l'autre côté, je peux. Un petit peu bizarre, mais... Non, si, je devrais pouvoir. Oh merde. Bon bah ça marchait, j'ai déjà réussi à l'assommer, sachez-le. Voilà, je vais envoyer le chien chercher ses petites clés et on va s'arrêter là les amis, je suis désolé, j'aurais pas eu le temps de vous montrer grand chose. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire de soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre. J'ai trouvé ça instructif, émouvant, un bon petit jeu d'aventure, comme on les aime, pas trop cher, je crois que ça coûte dans les 15€. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Une belle façon de s'amuser et d'apprendre des trucs en même temps. Donc voilà, bonne adresse, ce petit soldat inconnu. J'espère qu'il deviendra célèbre, c'est tout ce qu'il mérite. Voilà, allez, à bientôt les petits amis, peut-être pour un nouveau cours d'histoire. Allez savoir, soyez sages, ciao.